Alors voici la table des produits keto à goûter. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a des bases de gâteau mousse. On a la saveur bleuet, caramel, chocolat. On a aussi citron de ce côté inclus en fraise. OK. Et on a aussi ici des boules de gâteau qui vont avoir de la saveur fraise et aussi chocolat. Parfait. Ça va être toute la section keto. Bon, fait que vous me connaissez, c'est le temps du test de goût. Regardez-moi ça, toutes les belles pâtisseries qu'on a à goûter. Moi, je connais déjà plusieurs de ces beaux desserts-là, je sais qu'ils sont bons. Fait qu'il y a des petites saveurs que je n'avais pas encore goûtées, comme bleuet. Fait qu'on va goûter à ça. C'est servi sur un gâteau vanille, en fait. Fait que regardez, des belles petites bouchées juste parfaites. Succulent. Fraise. Je le connais déjà, fait que je sais qu'il est bon. Le gâteau, là, il est parfaitement bon. Ah, oh, j'ai de la visite! Allô? Ah, j'ai plus de visite! OK! Donc, on va goûter chocolat. Citron. Hey, c'est des bouchées parfaites, ça. Caramel. J'ai avec tout le monde dans mon bonbon. Et une petite boule pour la route. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Ah, ben tiens, elle s'ouvre. Ah! Regardez-moi ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces petits bouts-là. Moi, je les connais et je les adore. La perle d'or. Ça, c'était des pâtisseries keto. Et il y a des pâtisseries pas keto. Oublie pas, là! La petite boule aux fraises. C'est somptueusement délicieux. C'est sucré, mais pas trop. Croustillant. Puis avec le petit crémage qui est dessus. J'adore. Celle au chocolat, mettons, parce que clairement, je vais tout y goûter, finalement. Ça fond. Fait que petit conseil pour les déguster, laissez-le sous comptoir un peu. Magnifique.